Bonjour madame. C'est un pont qui a été fait en 1882 sur des puits en chêne. Et les puits en chêne sont toujours d'actualité pour le tenir. Alors pensez-y la prochaine fois que vous passez dessus. Parce que Marquis de Boulen a fait passer par l'intermédiaire de Jean-Luc Petit-Renaud le fait que c'était sa cuisinière qui avait inventé le pont. Alors qu'on n'est pas Chauvin à Saint-Julien, mais quand même, c'est ici que ça a été inventé. Pourquoi ça s'appelle beurre blanc? Le beurre est toujours blanc. Le beurre blanc? Ouais. Oui, parce que c'est le beurre est tout à fait jaune. Il est plus jaune aussi. Oui, il est plus jaune. Très jaune. Ouais, mais c'est une sauce à base de beurre, donc blanc, parce que bien souvent ça a été accompagné, enfin je suppose, hein, je suis pas sûr de ça, c'était souvent accompagné d'un poisson blanc. Entièrement bombardé pendant la guerre et celui de Mauves-sur-Loire lui a gardé son tablier d'origine. Les Allemands, pour protéger leur fuite, ont fait sauter la deuxième et la troisième pile, et sur la pile sous laquelle on va passer, vous allez voir, c'est il a gardé son tablier d'origine qui date de 1878. Vous allez voir, fait de briquettes et d'armature fer. Alors n'hésitez pas à passer la tête en dehors du bateau pour regarder. Une grotte, vous la voyez, l'entrée d'une grotte dans l'arche la plus haute, ouais. C'est la grotte des faux monnayeurs, c'est les frères de Malétroit, seigneur d'Oudon, qui avaient organisé un trafic de fausses pièces d'or, et les gens de la chapelle Basse-Mère, voyant des torches s'agiter la nuit, les ont dénoncés aux gendarmes, ils ont été décapités en 1526 exactement, la grotte des faux monnayeurs.